배워 한다고 했잖아. 근데 그만두기로 했다면서? 네, 그러기로 했습니다. 너무 힘들어서요. 뭐하러 여기로 온 거야? 여기 뭐가 있다고? 공부하러 온 거잖아. 너랑 나랑 여기서 같이 공부하면 얼마나 좋을까? 그러니까 남자가 여자를 낳는다는 거는 그 너무 절대적인 어떤 가치를 갖는 거라 뭐 그런 생각이 들었습니다. 아. messieurs, merci d'accueillir Aung San Suu. Alors, j'ai choisi ce film en, je veux dire, en prélude à cette rencontre et à ce dialogue. Parce qu'il me semble que c'est un film qui est très représentatif de, on va dire, la nouvelle phase de votre carrière, une sorte de nouvelle période qui est finalement assez, qui, dans laquelle on retrouve à la fois beaucoup de motifs de vos débuts et en même temps des centres d'intérêt qui sont nouveaux. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, juste une question un peu, je dirais, pratique et prosaïque. Comment est née l'idée du film ? Oh, I will speak in English. Is that okay? The way I work is I usually decide on main actors or main places. So I had this place you saw in the beginning of the film, this Chinese medicine clinic, and this young guy who is the main character, he used to be my student and he worked for my production before, and I just thought maybe he could do act as well for this film, because he was an acting major originally. So I had this place and actor. So then I thought about what I will do with this place and actor. And I thought about this, maybe because of my perception about this person as a person, you know, and it triggered my memory of in a way a typical father and son relationship I have known. So then I thought about this. I come up with this actor Kim Young who worked for me in Night and Day long time ago. So that's how I started this first sequence. Mm-hmm. Maybe. Il n'y a pas de micro. Ah, ok, merci. Merci. Donc, je vais parler en anglais. Donc, avec les moments de gêne, comme ça, mais il aime bien. Donc, je vais parler en anglais. Donc, la façon de travailler que j'ai, en fait, c'est d'abord de choisir mes personnages principaux, donc mes acteurs, et après, c'est l'endroit. Et donc, dans le film, vous voyez, en fait, il y a une sorte de clinique de médecine orientale. Et donc, il y a un jeune homme qui est le personnage principal masculin du film, qui, en fait, était un étudiant
mon étudiant il y a quelques temps et qui avait également travaillé sur une de mes sur un de mes films dans la production et donc je lui avais demandé également de jouer dans ce film et c'est vraiment le regardant il y avait une sorte de perception en tant que personnage qu'il dégageait et cela tout d'un coup m'a fait rappeler des souvenirs enfouis que j'avais sur la relation entre un jeune homme et son père et donc c'est comme ça que cela m'a amené à faire ce film. Et j'ai aussi pensé à Kim Yong-ho, qui est donc ici, qui joue le rôle du médecin en médecine orientale, qui avait également été le personnage masculin de Night and Day, qui avait donc joué le personnage masculin dans Night and Day. Alors, justement, vous parlez des relations père-fils. Lorsqu'on a vu vos premiers films, on a vu que c'était des films essentiellement centrés sur les rapports hommes-femmes. Et les relations entre les générations n'étaient pas très présentes, en fait, il me semble. Il me semble que cette question-là revient de plus en plus dans votre cinéma, c'est-à-dire à la fois les relations entre les générations, les relations entre des gens qui sont d'âge différent, et aussi, ce film en est l'illustration, les relations père-fils ou mère-fils, puisqu'il y a également un personnage de mère dans le fils. Alors, pourquoi ça arrive à un moment donné dans votre œuvre ? I don't know how to answer to your question really, because I work for how can I say? I don't have this, you know, planning. Oui. Mais à un moment donné, vous avez senti quand même l'envie ou le besoin de parler des relations entre des gens d'âge différent, ce qui n'était pas le cas au début, quoi. Et vous ne vous êtes jamais interrogé sur cette envie nouvelle, une nouvelle forme de maturité aussi, ça peut s'expliquer. I mean, of course, I can come up with some reason or analysis, but I'm sure I will not be very honest if I said those are the real reasons. I don't really know. But just to say something, maybe. You don't have to. C'est comme le film, parfois il n'y a pas de réponse. No, I'm just. Because this thing I know about my filmmaking. In the beginning, I think in terms of a subject, I touched upon the things that happened to me long before, in terms of a psychological aspect. And then, as I make more films, the subject of my film becomes more closer and closer to the present day concerns of mine. And maybe another thing I can add is I wanted to deal with this man and woman relationship because when I deal with that relationship, it reveals naturally many, many aspects of our lives. And maybe, I don't know, maybe I'm kind of, because of how I live these days, I'm not paying much attention about things that I used to pay attention. So.
Oui, donc en fait, effectivement, je ne pourrais pas répondre à cette question car il n'y a rien d'intentionnel chez moi, je ne planifie rien à l'avance. S'il faut absolument une raison, je pense que je me mentirais à moi-même de vous donner une raison pour laquelle je fais ça. Mais si je dois vraiment dire quelque chose, je dirais qu'à mes débuts, quand je traitais d'un sujet particulier, c'est en général, je traitais de choses qui m'étaient déjà arrivées en termes de psychologie, par exemple. Mais plus le temps passe, je dirais que les sujets que je choisis sont plutôt des choses en fait qui sont plus proches des inquiétudes ou des pensées que j'ai à l'heure actuelle. Et sinon, concernant la relation homme-femme, je m'y attache beaucoup parce qu'en fait, je pense que ça révèle beaucoup d'aspects en fait de notre vie. Mais c'est vrai que j'ai peut-être changé dans le sens où je fais beaucoup moins attention à des choses auxquelles je faisais très attention auparavant. Alors, il y a une chose quand même à laquelle vous prêtez beaucoup d'attention, enfin qui est très importante pour vous, c'est la structure des films, la structure de vos films. Et dans ce film, qui est un film assez mystérieux, c'est un de vos films les plus mystérieux, je trouve, c'est pour ça que c'est toujours excitant d'en parler, on a l'impression que vous avez supprimé les moments psychologiquement importants du film. C'est-à-dire qu'on attend au début, alors l'attente est un des motifs du film, on en parlera, mais on attend la rencontre avec le père, par exemple, et qui n'a jamais lieu. On attend la scène de rupture avec la fiancée, la petite amie, et on ne la voit pas non plus. Et donc peut-être vous pouvez nous dire un mot sur voilà, cette manière que vous avez eue d'enlever les scènes que tout le monde attendait, ou de décider de ne pas les écrire. I think it's a good question. C'est une très bonne question. Mais pourquoi ils sont, pourquoi ces, pourquoi ces scènes ne sont pas là? Mais peut-être il n'y a pas de réponse non plus. I said it's a good question because I thought about that too. And you know I think it's one of the most important thing in my creative process is I come up with the next scene when I write in the morning. I don't know why I choose to think this next scene, and I choose next dialogue, next line of dialogue. In that process, I'm not analytical. I'm not working on some intention or goal for certain effects, things like that. It's just something comes up like that. Mm-hmm. So it's the most important, I can say, aspect of my working process. So I think that is my honest response to you. I don't know why I did it. How I did it. I just in the morning I just wrote something and shot it, and then later I realized that's what I've been doing. So I come up with this title introduction. It made sense to me in a strange way. Oui, je disais que c'était une très bonne question parce que je me suis également posé cette question à moi-même. Mais il y a quelque chose d'important en fait dans mon processus créatif, c'est qu'à chaque fois, je pense à la scène d'après, au dialogue d'après. Alors, j'ai jamais analysé en fait la raison du pourquoi et du comment, mais en tout cas, il n'y a jamais quelque chose d'intentionnel et je ne cherche jamais à obtenir un effet particulier. C'est vraiment quelque chose qui me vient naturellement. Je pense juste à ce qui va suivre et je continue à travailler. Comme ça, c'est la façon dont je travaille. Mais en tout cas, voilà, c'est la seule réponse un peu honnête que je pourrais vous apporter là-dessus. Car moi-même, je ne sais pas comment je fonctionne vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Donc le matin, j'écris et c'est bien après, bien plus tard que je réalise que j'ai travaillé ou que j'ai filmé comme cela. Et en tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle Introduction, parce que justement, ça se rapportait bien à ce travail. It makes sense in a strange ways.
ce qui est peut-être la meilleure manière de définir votre cinéma. Ça a du sens, mais d'une manière bizarre. Alors, il me semble qu'il y a un motif dans le film qui court. Il y en a plusieurs, en fait. Il y a, parce que vous êtes vous analysez bien, enfin vous, je ne sais pas si vous les analysez, mais vous épinglez très bien les comportements de personnages dont on se doute que vous les connaissez bien. C'est-à-dire ces cinéastes, ces étudiants, ces professeurs de cinéma, etc. Enfin, tout, un petit monde qui est toujours présent dans vos films. Et là, il me semble qu'il y a un motif qui est important parce que c'est celui, un comportement qui est important parce que c'est un comportement qu'on va voir et après qu'on va théoriser dans le film. C'est embrasser quelqu'un, l'étreinte. C'est-à-dire qu'on a, on voit la scène où le jeune homme embrasse, enfin tient dans ses bras de façon totalement spontanée l'infirmière qu'il a sans doute connue quand il était enfant. Et après, il y a cette discussion au café avec l'acteur qui est l'ami du père, qui est un peu ivre et qui engueule le jeune apprenti acteur parce qu'il lui il dit qu'il ne peut pas embrasser au cinéma. Alors peut-être pour vous poser peut-être une réponse concrète parce que je vois bien que tout ça peut être un peu théorique, mais lorsque le professeur de l'acteur pardon qui joue un peu un rôle de tuteur dans cette scène dit à l'étudiant, c'est idiot ce que tu dis, puisque embrasser quelqu'un, que ce soit pour de vrai ou pour de faux, c'est toujours ça de pris sur la vie. Qui est finalement une sorte d'anti-paradoxe du comédien, de théorie de l'acteur, quoi, si vous voulez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce personnage, en fait, pour poser une question? Yes, in a way, I agree with him. Oui. Oui. Mais il a. Of course. We shouldn't imagine a certain very vile situation or interaction. I'm talking about maybe. We love something. Believing because that the other person has a certain value, mm-hmm. I think it's wrong. We love someone, that's it. Mm. And what can I say? as I get more experience, mm-hmm. all this. Base of value judgments are ridiculous. Mm-hmm. It's okay. Just grab it and love it. Ah, mais c'est une. Enfin, je vais peut-être laisser Malvekim traduire et puis je. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on l'aime en pensant que l'autre personne, en fait, a une certaine valeur à nos yeux. Mais moi, en fait, je suis pour juste aimer la personne, point barre, c'est tout. Donc, en fait, plus j'ai de l'expérience et avec l'âge, j'ai l'impression que tout jugement que l'on porte, finalement, est un peu ridicule. Et je pense que, justement, c'est bien de prendre à bras le corps ce que nous offre la vie. C'est une morale très renoirienne. Ça pourrait être dit par Jean Renoir, ça, ce que vous dites. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas de l'échange, ça peut être que du don. Par exemple, I love this person, and she does something, and I don't like it. Because of that, I get angry. And I believe my anger is justified. And our relationship is severe, it's stupid. Because the judgment saying her action, that action is wrong or false or fake, low. It's stupid.
If we keep thinking few more steps, we know, we all know that it's a stupid to say that. Mm-hmm. We stop in the middle, and we cannot overcome our initial prejudiced emotional response. So there's nothing really meaningful about my judgment about her action. But all the other things she does and is so great. Because of this stupid stopping, cowardice, blocks everything. So if you keep thinking in that line of thinking, then you realize we don't need anything to love something. That's what I am trying to say. Oui, par exemple, en fait, quand on aime quelqu'un, quand, par exemple, j'aime par exemple une femme et que cette femme-là fait quelque chose qui nous déplaît, donc on n'est pas content et on pense que le fait qu'on soit mécontent est justifié car c'est de sa faute. Et après, bon, les deux personnes, par exemple, peuvent se séparer ou se disputer, mais je trouve que justement ça, c'est quelque chose de très stupide car en fait... On juge la personne, on se dit que son action et ce qu'elle a fait est mal et que tout est à cause d'elle. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est très stupide de dire ça, car il faut essayer de surpasser nos préjugés, nos réactions émotives par rapport à ce que la personne a fait. Et finalement, donc, notre jugement en soi-même, en lui-même, est complètement insignifiant. Donc je dirais que c'est un peu une sorte de lâcheté qui... finalement nous bloque un peu et donc on a besoin en tout cas de surpasser cette attitude que l'on a et donc ce jugement que l'on porte. Alors il y a quelque chose qui est assez fréquent dans votre cinéma et dont on voit un exemple ici dans votre film, c'est qu'il peut y avoir un moment, voire plusieurs, où on ne sait plus si on est dans la réalité ou si on est dans le fantasme ou le rêve. Ouais. Parce que vous filmez de la même façon ce qui arrive, ce qui se passe, quel que soit le statut ou le régime de la situation que vous filmez. Et là, est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, vous êtes très influencé par une forme de réalisme cinématographique? Vous avez beaucoup cité le cinéma français comme étant une de vos sources d'influence. Mais il y a aussi, évidemment, on pense à, par exemple à Louise Buñuel, dans votre manière d'intégrer le rêve dans la réalité, en tout cas de ne pas le filmer d'une manière différente que la réalité, ce qui évidemment donne une signification très particulière aux événements que vous filmez. As a person, I want to break and tear and get out of here. But it's very hard. It seems almost impossible. But I long for that breaking out. Because since I was very young, I think many of you have the same experience when you were young. But we cannot get out of this what is cell thing. We are trained, educated to believe there are certain reality that we have to abide by. But we all feel that sometimes that's kind of a baloney. Even very small things in life, if you look really long enough, then you realize all this concept of reality is very, very fragile and shallow. That's why maybe we all sometimes long for actually succeeding in getting out of here even 10 seconds, and
really encounter new reality. But because we are so ingrained in this stereotypical picture of reality, because we every day, every second, we keep reinforcing this image of reality. Even though we feel so unsatisfied with this, we keep believing, and we feel it's impossible to get out of here. So, as a person, I might not succeed, but I long for that. So, in that kind of rebellious spirit, mm-hmm. I think why not just dream so-called reality? I can add more, you know, if I can. I mean, whatever I feel it's good to share with others, my feeling of this unsatisfactoriness of this so-called reality. Oui, en tant que personne, en fait, j'aimerais vraiment justement casser, déchirer, sortir de ce carcan qu'est cette prison qu'est le réalisme. Je voudrais vraiment m'évader. C'est vraiment quelque chose à laquelle j'aspire, car quand on est jeune, on se sent justement toujours un peu emprisonné dans cette réalité. On a tous été éduqués justement dans cette certaine réalité et on doit vivre avec. Mais quand on observe des petites choses comme ça de la vie qui nous entoure, quand on les observe suffisamment longtemps, on se rend compte en fait que le concept est assez fragile. Et même ne serait-ce que 10 secondes, on a envie de s'évader en fait de cette mort, une triste réalité, on veut rencontrer en tout cas une nouvelle forme de réalité. Mais on est tellement... On a tellement été éduqué, on a tellement grandi dans le stéréotype de ce qu'est la réalité que chaque seconde, en tout cas, il y a cette image de la réalité qui nous rattrape. Donc même si on est mécontent de la réalité qui nous entoure, finalement, on est obligé de continuer à vivre avec. Et malheureusement, donc... Moi, mon souhait, c'est vraiment j'aspire vraiment, voilà, à dépasser cela et à m'évader de cela. Et la petite forme de rébellion, si je puis dire, que je fais justement dans mes films, c'est de montrer un peu cette part de rêve comme une forme de réalisme qui s'immisce donc dans la réalité. Mais j'espère vraiment justement partager, en tout cas, mes sentiments de mécontentement, en tout cas, de la réalité donc dans mes films. Alors peut-être encore une question avant de céder la place aux questions du public. C'est sur la fin du film et la présence de la mère qui, dans votre cinéma, enfin, me semble, a une double signification. C'est à la fois l'infini et la conscience de notre finitude. Donc il y a l'idée de la mort, je pense, derrière l'apparition de la mère. Et l'idée de la mort apparaît aussi dans votre film suivant, juste sous vos yeux, qui est un film qui me semble tourner autour d'une question qui n'a aucune réponse, une question qui n'a pas de sens, qui est: est-ce que la mort donne un sens à la vie? Et vous semblez répondre non. Et donc voilà, je voulais juste peut-être vous parler de cette dernière séquence, de la fin du film, et de cette présence de la mère et de l'infini, paradoxalement signifiant la finitude de toute existence. I don't know what you're asking, really, but I will say anything. Okay. Maybe it's partially because of my relationship with my late mother. Mm-hmm. Quite complicated, mm-hmm. like everyone else. Oui, le sentiment que la mort est quand même beaucoup plus présente dans vos derniers films. Le sentiment de la mort ou de la fin. Because I'm now 62, mm-hmm. I know I will die soon. Quite soon. Please wait. So I have this feeling of I want to die.
very soon. I am fed up with this. And also, all these things I like doing it, I can do it for a while. I have these two feelings. And so when I think about death, it's kind of nice. Do you feel that way? No? Yeah, I'm 62. Oh, really? So I know your feelings. Okay. Oui, donc c'est peut-être la relation avec ma mère décédée, mais en fait, c'est parce que j'ai 62 ans, donc je sais que je vais en tout cas mourir, en tout cas pas, enfin bientôt sûrement, et parfois je me dis aussi que j'aimerais justement mourir parce qu'il m'arrive des fois d'en avoir ras-le-bol, d'être fatiguée, mais je sais en tout cas que je peux continuer à filmer, et peut-être que voilà, vous ressentez la même chose, mais donc vous avez aussi 62 ans. En tout cas, avoir la cadence avec laquelle vous tournez des films, vous n'avez pas l'air fatiguée. Qui est une bonne nouvelle pour nous. Thank you. But I'm tired sometimes. Merci, mais parfois je suis quand même fatiguée. Il y a peut-être des questions, des réactions. Alors, il y a beaucoup de questions. Où sont les micros? Thank you very much for your film. I have a simple and general question. What's the relation between your film and the reality, the real life, the daily life? Is your film a pure representation of the reality, or do you have a certain kind of ideal and purpose in your film? What's the purpose and ideal in all your films? Do you have a certain kind of thinking when you make making film? Donc la question est sur la relation entre vos films et votre vie. Donc je voudrais savoir si vous aviez un idéal ou en tout cas un but, ou en tout cas oui un but que vous recherchez dans vos films. I choose among many of your questions. This one, what I make as a film and what I am, who I am. I know something about my filmmaking. I know very little about my life. And there must be connection, but I don't think about it. Even though I think about it some years, and I can publish a book about it, it doesn't mean I can come up with the next line. I can come up with the next scene, which is fresh to me. So it's not necessary for me to think about the connection and make a logical conclusion about it. So, but there must be some connection, of course. I don't know, you asked many questions. En fait, pour vous répondre, en fait, il y a ce que je suis et ce que je fais. Alors, ce que je fais, mon métier, je maîtrise un peu, je connais, j'ai certaines connaissances. Mais ce que je suis, en fait, je ne connais rien de moi. Je sais très peu de choses sur moi. J'imagine bien sûr qu'entre les deux, entre ce que je suis et ce que je fais, il y a une certaine connexion. Mais en fait, j'y pense pas beaucoup. Et c'est vrai que je peux écrire des livres, mais par contre, je sais pas du tout quel sera le prochain dialogue ou la prochaine scène. Je sais pas. En fait, comme vous avez posé beaucoup de questions, je ne sais pas trop si ça répond à vos questions. Mais en tout cas, moi, je voudrais réagir sur cette histoire de ce rapport entre la vie quotidienne et le cinéma. Vous filmez les personnages qu'on voit dans vos films, on devine que ce sont des personnages qui ressemblent aux gens que vous connaissez dans la vie. Des étudiants en cinéma, des artistes, des professeurs d'université, enfin, on sent que c'est... Est-ce que vous pouvez imaginer un jour filmer des gens qui sont loin de vous, des gens qui ne seraient pas des gens qui se feraient partie de votre entourage dans la vie quotidienne?
For example, if I decide to portray, if that portray is the right word, a certain character, like a airplane pilot, who is quite handsome and who is French, as then I have to fill in with all these things I heard, read, saw in the pictures. It's just so boring. And so I try to work with people and places I know. But even though I know some part of their existence or places, but I know very little, in fact. So life is total mystery. So another thing is if I work with someone who gives me a strong impression, then I have this kind of inner core things, which I like to believe is coming from that person's essence. Essence is the dangerous word. Anyway, I will use it. And so it's like a model, you know. Even though I draw picture by looking at model, I'm not actually drawing him or her or myself. I'm combining two things. But I need to have a concrete person who gives me a strong impression in the first place. And then keep looking. By looking, something comes out of me and mixed in the middle. I like that kind of process. Oui, en fait, si, par exemple, je pourrais décider un jour de faire le portrait d'une personne, par exemple, ça serait un Français très beau qui serait pilote de ligne, je pourrais, mais il faudrait que je me documente, que je rassemble tous les documents de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu dans les films ou sur des images, mais ça serait tellement ennuyeux. Donc, en fait, c'est pour ça que je m'attarde beaucoup plus à faire ce que je connais, donc à parler d'endroits et de gens que je connais. Mais quelque part, finalement, je ne connais seulement qu'un aspect ou qu'une partie de leur existence ou de certains endroits. Donc finalement, je les connais très peu, ces endroits ou ces gens que je dis connaître. Donc c'est là que je me dis que la vie, finalement, est un grand mystère. Mais quand je travaille avec quelqu'un, en fait, il faut que, pour faire un film, une personne me donne une forte impression. C'est vraiment ça qui va me décider à travailler sur le personnage. En fait, il se dégage parfois d'une certaine personne, quelque chose, une sorte de nerf, en fait, un peu interne, qui se dégage de l'essence de cette personne. Alors, essence est un mot un peu dangereux, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Et donc, c'est comme si, par exemple, je peignais. Si je peins, normalement, je dessine le modèle qui est en face de moi. Mais en général, moi, dans mes films, ce que je fais, c'est que je combine les deux. C'est-à-dire que je regarde mon modèle, mais je me regarde moi aussi. Donc en fait, c'est un peu une combinaison des deux qui fait que il y a donc ce genre de personnage dans mes films. Ok, bonsoir, merci beaucoup pour ce film déjà. En fait, moi, c'est pas forcément une question, parce que moi, je trouve un peu cruel de demander à un réalisateur de analyser son film. Mais en fait, c'est le deuxième film que j'ai vu de vous, parce que, enfin, moi, je viens de commencer à regarder vos films. Le premier, c'était le film que j'ai vu hier soir, MK de Beaubourg. Et en fait, dans votre film, j'ai ressenti un soulagement pour moi, personnellement. Ça me fait sentir très bien, ça me fait soulager un peu. Voilà, je trouve ça vraiment superbe, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Et si vous avez quelque chose à partager sur ces ressentis, bah, voilà, c'est pas forcément une question. I don't know, but I'm so happy to hear. Je connais pas la raison, mais je suis très heureux de vous entendre dire ça. Merci. Éric Rohmer, dans une interview, disait que la façon de ces films, de faire ces films, la façon de les produire, c'était un peu ce qui faisait son style à lui, que c'était pas la même chose de filmer un peu à l'improviste que de payer des extras, par exemple. Et donc moi, j'ai demandé de façon simple, est-ce que pour lui, cette phrase, ça avait un sens, ou si ça en avait absolument aucun. Okay, I will just say this in the maybe the beginning till my fourth, fifth picture film, there are many steps, and as they prepare something, I watch them working, and they are very hard working, but most of the time they're chatting, talking, I mean, and drinking coffee and things like that. And the producer, I was not producer then, they have to pay these people, and to pay that much money, the film has supposed to make more money. To make more money, you have to draw more audience, each audience. So film cannot escape that cycle. So I think important that as much as you can, reduce the budget, reduce the pressure from outside, and do with this medium whatever really you want to do. En fait, de mon premier film à mon quatrième ou cinquième film, j'avais une équipe de tournage qui était assez importante. Ils préparaient donc les scènes, je les regardais travailler. Ils travaillaient dur. Ils travaillaient dur, mais parfois ils bavardaient et ils prenaient le café. Et donc mon producteur, moi j'étais pas à l'époque producteur, mais il les regardait. En fait, eux, bien sûr, les producteurs doivent payer ces gens-là. Et pour les payer, il faut que le film rapporte. Et donc plus donc l'équipe est importante, plus le film doit rapporter. Donc et plus donc le public doit venir voir le film. Donc je dirais qu'en fait, dans la limite du possible, le mieux, c'est quand même de réduire le budget au maximum. Et en même temps, ça permet aussi de réduire la pression extérieure. Et en même temps, ça vous permet aussi de faire véritablement ce que vous avez envie de faire si vous tournez un film. Mais là, par exemple, l'introduction, par exemple. Vous aviez une équipe de combien de personnes pour le film qu'on a vu? I don't exactly remember. I have to see the credit, but... usually, members of shooting, of course, including myself. Usually, those days, Kim Min-hee, my production manager. 혹시 스텝이 몇 명이었는지 기억하시나요? Introduction 때. Introduction은 저하고 그 사운드 하시는 분하고 그리고 카메라는 감독님이 하셨고. 연출부, 제작부. 저하고 한 명 더요. 그럼 about five. Donc je me souviens pas, en fait il faut que je regarde le générique. Et donc en fait je dois demander à Kim Min-hee, donc qui est actrice et également directrice de production sur mes films. Et donc il y avait donc moi, elle, le Perchman, et donc en fait on était cinq en tout. Bonsoir. En regardant votre film, j'ai trouvé que la parole, le langage, a un véritable pouvoir. Et tout au long du film, vous faites des suggestions, vous suggérez à l'imagination du spectateur les séquences les plus importantes. Et en fait, le titre du film, Introduction, peut être justement
comment dire, l'image de cette suggestion ou l'imagination du spectateur selon son vécu et son histoire fait que les choses que vous ne montrez pas justement sont imaginées par le spectateur. Oh, I like the title introduction. By coming up with the title, important thing was solved for me. I didn't know what I was doing. I was shooting every day, and then actually I finished my first part, and then I thought maybe this is the end of my short film, and then I kind of didn't pay attention, and then I went to film festival, Berlin Film Festival, and then thought came that maybe I will bring these two or three persons to Berlin for a few days, I can make a second part. So I asked them to come and I shot second part. So I now wanted to make a feature film. So I go back to Korea, I went to the East Coast, and then I shot the third part. And then I thought it was kind of strange that, as you mentioned, that I was like starting and stop, starting and stop. And then this title came. So, maybe this is what I wanted to do. C'est presque une écriture automatique, un peu, qui... Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé ce titre. Enfin, j'aime beaucoup ce titre. C'est vrai que, en fait, tous les jours, je tournais. Et la première partie, quand j'étais à la fin de la première partie donc, du film, à la fin du tournage de la première partie, je me suis dit, bon, en fait, ça va être un court-métrage. Et j'ai pas trop fait attention. J'ai laissé ça tel quel. Et j'ai été invitée au Festival de Berlin. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça pouvait être intéressant d'inviter donc, ces deux, trois personnages donc, de la première partie à Berlin, donc je leur ai dit de venir avec moi et on a tourné ensemble la deuxième partie. C'est là que je me suis dit que ça pouvait devenir un long métrage. Donc je suis retournée après en Corée, sur la côte Est, où j'ai continué et où j'ai terminé donc la troisième partie. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez étrange parce que pour ce film-là, en fait, j'ai commencé à tourner, puis je me suis arrêtée, puis après j'ai recommencé à tourner, puis je me suis arrêtée. Et c'est là, en fait, qu'est venu le titre du film, donc que j'aime beaucoup. Est-ce que vous aviez, quand vous tourniez la première partie, déjà l'idée de ce que seraient les suivantes, ou bien est-ce qu'à chaque circonstance, vous êtes à Berlin, vous avez inventé une histoire qui s'est rajoutée à la précédente? C'est comme ça que vous avez fait. La deuxième, oui, c'est ça. Ce qui fait que le film a une structure presque qui provient du hasard. Many times, that's how I work. Oui, c'est comme ça que je travaille la plupart du temps. On sait que le hasard a beaucoup d'importance dans votre cinéma. But accident is it's not really accident. And accident is actually more than accident. We stop in the middle, as I said before. That's why we can call it comfortably, it's an accident. But if we dig and if we keep asking, it's not accident. There is no such thing as accident. Accident is always more than accident. So we can call it accident, but for me it's a mystery. And it's fun to open up more and more to the mystery.
Oui, en fait, vous savez, le hasard n'est pas vraiment un hasard. C'est-à-dire que le hasard est plus que le hasard. Comme je vous disais ici, j'avais arrêté de tourner après la première partie. Mais je pense qu'en fait, pour nous, c'est quelque chose d'assez confortable de nous dire que le hasard, que tout est dû au hasard ou que quelque chose est dû au hasard. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, finalement, le hasard n'existe pas. Donc, le hasard est toujours plus que le hasard. Donc, c'est une appellation que nous, on nomme donc hasard, mais pour moi, c'est plutôt le mystère. Ça ouvre des réflexions, mais ça nous entraînerait très loin. Parce que s'il n'y a pas que du hasard, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, nous venons de terminer une rétrospective consacrée à Fritz Lang. Et quand on lui demandait est-ce que nous sommes guidés par le destin ou par le hasard ? Et il disait 50-50. Moitié-moitié. As I said, for me, accident is just stopping in the middle. That's exactly what it is. I mean, think about any small incident. Just keep thinking about it. There's always more to dig in. Mm-hmm. You know, think about any small accident you remember. Keep thinking, it's not accident. Mm-hmm. It's all connected. But we stop following all this connection because it's too many, infinite. You know that, right? Everyone knows that, actually. So accident is always more than accident. Oui, le hasard représente toujours plus que le hasard. Parce qu'en fait, pour moi, le hasard, finalement, c'est quand on s'arrête en plein milieu, quand on s'arrête au milieu. Car quand on a, par exemple, un petit incident qui nous arrive, quand on réfléchit vraiment et qu'on se concentre sur le petit incident, finalement, on voit qu'il y a toujours beaucoup plus de quelque chose qui est enfoui, en tout cas, une face cachée. En tout cas, il y a beaucoup plus, en fait, que le simple accident qui se cache derrière. Car tout est connecté, à mon avis. Mais on s'arrête juste au milieu parce qu'on ne va pas plus loin, parce qu'il y a beaucoup trop de connexions et que justement ça nous amène vers l'infini. Donc en fait on s'arrête à un certain moment et c'est ça qu'on appelle le hasard. Pourquoi en noir et blanc le film, s'il vous plaît ? Comme le dernier, l'avant-dernier film, pourquoi c'est tourné en noir et blanc ? Et est-ce que c'est juste une question esthétique ? Où il y a une signification et pourquoi la surexposition qui fait rappel un peu l'au-delà et qui fait ressembler au surréalisme. I think the as I answer to his question, I can come up with a reasonable answer to that question. But that's not really true. I can say, you know, I made a color film before, so I want to make black and white. It's good reason, right? This film is very cold, so I will make it in black and white. Black and white is very popular these days. I will make black and white, whatever. But all very, it's not important. It's how you felt about film, not black and white. Film, you like it or you don't like it. That's important. Oui, comme je disais tout à l'heure à Monsieur Roger, je pourrais répondre de plusieurs manières sur les questions et en même temps, j'ai pas de réponse. Je pourrais vous dire, bon, avant, j'avais fait des films en couleur, donc j'ai décidé de faire du noir et blanc. C'est quand même une bonne raison, non ? Et puis, je peux aussi vous dire, ben, le film est un peu froid, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce film en noir et blanc. Ou alors, je pourrais vous dire, ben, le noir et blanc est très populaire aujourd'hui, donc je voulais essayer de faire du noir et blanc. Mais en fait, tout ça, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est ce que vous avez ressenti en voyant le film. Si vous l'avez aimé ou pas, en fait, ça n'a aucune importance de savoir pourquoi. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas vous répondre pourquoi j'ai fait du noir et blanc. Peut-être encore une ou deux questions.
Bonsoir. J'étais très contente d'avoir vu ce film. Je vous remercie à M. Roger d'avoir programmé ce film, justement pour la leçon de cinéma. Alors, j'ai trouvé que ce film est très révélateur, c'est-à-dire à plusieurs égards. Bon, d'abord, j'ai trouvé un mot-clé qui était impulsion. Voilà, c'est la méthode de M. Consensus, sans trop réfléchir et être impulsif. Voilà, c'est entrer en direct dans la prise de plaisant. C'est ça le plaisant, être perpétuel, c'est le dernier plan pour moi. C'était pas tellement infini, c'était pas tellement la mort, c'était la plaisance du plaisant éternel. Voilà. Donc, si comme M. Honsensu, on baigne dans ce plaisant perpétuel, est-ce que le temps existe-t-il ou pas? Bon, je ne me rappelle pas dans vos films s'il y a des scènes de retour en arrière. Je ne pense pas trop. Bon, est-ce que vous pensez que le temps existe ou pas? Question simple. Merci. I don't know. Je sais pas. We all have this watch and think about things in terms of time of the day. It's a real trick, you know. It's a very really strange trick. Someone made up. So it's so strong that this believable that we believe life is moving in linear progression. Do you have an experience like this? When I was leaving my school to go home, I was in a taxi. I was so tired, I fell asleep. I had this kind of long dream, and I woke up, and I was kind of two blocks away from the when I started the dreaming. Do you have that kind of experience? And another thing is, I think about my lay sister. They say it's a memory. I think about when I go to the hospital with her in Tokyo. She knew she was going to die soon. It was in the morning, and it was a red light, and people were going to office. And I look at my sister, and so I keep thinking about this. Not keep thinking. Sometimes think about this experience. Something happened to me, and while I'm thinking about it, is she? Or just fragments of my memory, or she's actually with me. Another thing is, when I wake up in the morning, I remember my name is Hong Sang-soo and I did yesterday something, things like that, but. Am I really Hong Sang-soo of yesterday? Is it really? We all, you know, share this reality, so-called reality, and we all believe this identity. We all believe this consistency. But is it really? In that way,
So more and more I feel when I wake up, I have this some memory of someone. And I have this totally new thing. But someone beside me calling me, you are Hong Sang-soo, and you are supposed to do this 9 o'clock, things like that. So I do that, okay. But still, it's a new day. And when I go to bed, it's finished. Everything is finished. It's very nice. Everything is finished when you go to bed. I mean, things like that. Time is such a trick. But I think it's just so, it's a trick. I don't know what time is. Do you know? So we have this experience. This experience either being engulfed by this. Okay, I will stop here. On a tous une montre, on sait quelle heure il est, mais en même temps, la notion de temps est quand même quelque chose, ça ressemble plus en fait à une sorte de truc, de tour de passe-passe, parce que le temps finalement est linéaire, mais par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en rentrant chez moi, par exemple, je suis dans un taxi, je suis très fatiguée et je m'endors un instant. Et en fait, quand je me réveille, je me retrouve à vraiment deux blocs du quartier où j'étais quand j'avais pris le taxi. Donc il y a des choses comme ça qui m'arrivent. Il y a également aussi ce souvenir que j'ai de l'hôpital à Tokyo, car ma sœur savait qu'elle allait mourir le lendemain, et je me souviens que j'étais comme ça à un feu rouge. Il y avait tous les gens qui rentraient donc du travail, et donc je pense à ma sœur, et en fait je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui m'est arrivé, si c'est juste un fragment de ma mémoire qui me revient soudain, ou si c'est ma sœur qui est actuellement encore avec moi à mes côtés. Et pour un autre exemple encore, je dirais que je m'appelle Hong Sang-soo, c'est mon prénom, mon nom, je me souviens de ce que j'ai fait la veille, mais en me réveillant le matin, parfois je me demande, est-ce que je suis le Hong Sang-soo d'hier ? C'est un peu finalement, vous savez, on partage tous ce sentiment de réalité entre guillemets, qui est donc notre identité, la consistance, mais on ne sait pas si elle est vraiment réelle. C'est quelque chose qui nous est que l'on sait connaître de nous, mais en fait je ne sais pas si elle est vraiment réelle. Parce que le matin quand je me réveille, j'ai des souvenirs, je sais que Hong Sang-soo, il doit se lever à 9h du matin, donc je me lève, c'est un nouveau jour qui s'offre à moi. Et finalement, quand la journée est terminée et que je me couche, tout est terminé en fait. Et c'est presque un sentiment de soulagement, car c'est vraiment la fin de la journée. Mais je me demande en fait quelle est cette notion de temps, et même quelle heure il est en fait actuellement, je ne sais pas. Donc je dirais que c'est une sorte d'expérience, mais je ne vais pas aller plus loin, je crois que je vais m'arrêter là. Alors, il y a peut-être la place encore pour une dernière question, parce qu'il va falloir y aller. Pardon, bonsoir. C'est moi là. Oui. En fait, on a parlé ce soir des éventuelles références, inspirations cinématographiques de votre travail, Romère et Noir, mais quand je pense à votre cinéma, je pense beaucoup au concept d'épiphanie en littérature moderne, notamment Virginia Woolf, James Joyce. Quand j'ai vu In Another Country, j'ai beaucoup pensé à l'œuvre de Virginia Woolf, Vers les phares, et je voulais savoir si ces auteurs-là et si la littérature est aussi une influence dans votre travail. Et pardon, qu'est-ce qui est une influence, le dernier ? La littérature. La littérature moderne.
et les concepts d'épiphanie en littérature. Of course, I read some novels. I just when I read books I seem to like, it's a very nice feeling. Ah, this guy lived. He wrote this at night. It's just he was daring. He was courageous. He was honest, even though he was not honest to his wife. While he was writing, he was honest, things like that, you know. Very nice feeling. So I like reading books. Can you define what epiphany, according to James Joyce's book? Then I can answer to you. Otherwise. On est en train de parler du concept d'épiphanie chez James Joyce, quand même. Oui, bien sûr, je lis des romans, j'aime beaucoup les livres, ça me procure un sentiment très apaisant, en tout cas que j'aime beaucoup, je suis très contente de lire des livres. Parfois, je me dis que l'auteur est audacieux, courageux, que parfois, malgré son jeune âge, il a écrit tel ou tel livre. Mais est-ce que vous pourriez me préciser exactement le concept d'épiphanie selon James Joyce ? Là, à ce moment-là, je pourrais répondre à votre question. Je ne saurais pas dire comme ça, mais par exemple, dans The Dubliners, il y a une scène qui est considérée comme peut-être l'épiphanie originale de cette période-là, où il y a une femme qui, un homme, pardon, qui regarde par la fenêtre, voit la neige tomber sur un cimetière, et il comprend, il est envahi par un sentiment de plénitude. C'est un peu la grâce d'une certaine façon. Et par exemple, je me souviens de cette scène où aussi la neige souvent dans vos films, par la fenêtre, pardon, je mélange du coup mes films, la fenêtre de la voiture, il y a une scène où mademoiselle qui est juste devant aussi fait une petite prière quand elle voit la neige. Donc c'est très proche de ces sentiments de grâce qui vient comme ça soudainement à l'improviste. Thank you. I like that kind of how can I say, becoming our oneness. We are all, you know, all the time we are divided by black and white and, you know, all kinds of set. And if I understand you right, epiphany is by the overpowering nature or the extraordinarily opening his heart at the moment. He perceives things differently from everyday attitude. Anyway, becoming one with other things and forgetting about this ego in a beautiful feeling mode. I like that. What can I say? Whatever I like conceptually, whatever I admire in other writer or filmmakers' film books, that's one thing. What I can do as a filmmaker, have some connection with what I like as a reader or a viewer, but it's a different thing. That's why I said an analysis is not that important in making something. It has to be, someone said, impulsiveness, or, you know, has to be coming out of you like undivided. And your understanding of medium, your dexterity, and
your connection with the object or the person, your honesty, and your real desire to change things, things like that, all this becoming one, and then this strong impulse break out, and that's important. So, whatever I like in someone else's books or films, that's one thing. So I don't try to establish connection with other writers or filmmakers. You know, I remember this guy when I was in the United States. So I was 22, 23, and he was kind of famous in Korea. And he came to our school, and he had this small exhibition in the school. In below his painting, he said, "My painting is inspired by this, 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 this." I was like, "This guy was crazy." And you know what I mean? Yes. What kind of a head he has? I mean, so crazy. You know what I mean? I think I will stop here. Oui, en fait, j'aime beaucoup ce que vous dites. Effectivement, on pose beaucoup de questions sur l'aspect technique, par exemple le noir et blanc ou les artifices de mes films. Mais je pense que l'épiphanie, c'est quelque chose vraiment qui est dû justement à la nature, qui est un peu où on peut sentir cette puissance magnifique qui s'en dégage. Et on a chacun une perception qui est différente des choses. Mais je dirais que ce qui m'attire et ce qui est important pour moi, c'est ne faire qu'un avec la nature, justement. C'est quand tout en fait est fusionnel, et c'est justement ce sentiment magnifique auquel j'aspire dans mes films. Mais je voudrais dire en fait que je fais vraiment une différence entre les auteurs ou les romanciers que j'aime et ce que je fais moi. Pour moi, ça n'a aucun rapport, et je peux pas vraiment me comparer à eux, c'est-à-dire que je pourrais pas dire que j'ai reçu une certaine influence, inspiration, ou qu'il y ait une sorte de connexion, car d'ailleurs c'est pour ça que je vous disais que l'analyse n'est pas très importante. C'est que moi, ce que je fais en fait, c'est vraiment ce que je fais, mais c'est pas du tout en relation avec ce que j'ai aimé. Ça parle de la dextérité, de la connexion avec les gens, les objets, l'honnêteté, le désir peut-être de changer les choses. Tout ça, en fait, fait qu'on a besoin d'être en fusion et ne faire qu'un, en fait, avec la nature, par exemple. Mais, par exemple, ça me rappelle une chose. C'était quand j'avais 22-23 ans aux États-Unis. Il y avait un peintre assez connu en Corée à l'époque, et donc aux États-Unis, il faisait donc une petite exposition à l'université où j'étudiais, et en dessous de ces peintures, il y avait marqué « Cette peinture est inspirée de machin, machin, machin ». Et en fait, je trouvais qu'il était complètement fou, car c'est pas possible, en fait. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Enfin, il doit avoir un drôle de cerveau. Donc, voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, Aung San Suu. Merci beaucoup. Merci.